La porcherie a été créée à l'initiative du GPBM. Donc, elle a recherché des partenaires. Donc, les partenaires directs dans la production porcine, donc, c'est les marchands d'aliments. Donc, nous avons contacté la EMC2, donc la coopérative du département, qui a dit oui tout de suite. Et en partenaire aussi, nous avons pris la CAPVL, donc le groupement de la Meurthe-et-Moselle. Ici, c'est une formation pratique, hein, c'est-à-dire soins aux animaux, conduite d'élevage, s'habituer à tout ce qui a, il faut qu'ils s'habituent à tout ce qui est informatique. Donc, quand ils sortent de la porcherie, bon, ce sont des gens qui sont capables de s'occuper d'une porcherie. Les gens qui veulent construire, ils viennent voir la porcherie pour se donner des idées. Donc ici, on leur dit tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et on les conseille. Aujourd'hui, si vous voulez, on reçoit environ, entre, suivant les années, entre 3 et 5 000 personnes par an, hein, que ce soit des, de toute la France déjà. On a beaucoup de lycées agricoles, des maternelles, on a aussi des bus de Hollandais qui viennent, hein, comme quoi... Ils s'intéressent quand même à ce qui se passe en France, des Polonais, des Russes même. Dans ma réflexion porc initiale, j'ai été tout de suite attiré par le plein air parce que ça permettait de valoriser des sols à potentiel très moyen, d'une part, et d'autre part, le gros aspect intéressant, c'était la limitation des investissements. Ça permettait donc de démarrer une production porcine, de consommer des céréales, sans avoir des investissements très très conséquents comme on le rencontre habituellement dans le porc. C'est-à-dire que la truie en plein air va reprendre un comportement initialement qu'elle a dans, dans sa génétique qui va la rapprocher de, du sanglier. C'est-à-dire que quand elle a trop chaud, elle va chercher un coin humide pour se rouler, se couvrir de terre pour se protéger des rayons ultraviolets. Quand elle fait ses porcelets qu'il fait froid, elle va creuser un nid dans la paille pour tout de suite les isoler et les mettre à l'abri du froid. Et elle va les défendre des agresseurs éventuels, que ce soit les hommes ou d'autres animaux. Donc l'animal va avoir tendance à reprendre tout ce qu'il a dans son potentiel de génétique et à l'extérioriser de façon différente par rapport au bâtiment. Et pourquoi du porc en plein air? Eh bien, c'est très simple. Parce que déjà au niveau de l'investissement, c'est entre 5 et 10 fois moins cher. Donc un prix de revient de porcelet moins élevé. Mon beau-frère, lui, se retrouvait avec trop de travail, donc a été obligé de laisser tomber le naissage. Donc j'ai repris la suite. Et je fais du naissage et lui fait l'engraissement. Reprend mes porcelets à 21 jours, 20, 22 jours. Donc j'ai choisi le système paille pour les gestantes et la verraterie. Parce que je possédais, étant céréalier, j'avais déjà donc de la paille. Et puis je voyais le côté bien-être des animaux. La production porcine existante sur l'exploitation sur paille, j'ai donc continué dans ce sens pour tout ce qui était au niveau des truies. Et progressivement, en introduisant l'engraissement sur l'exploitation, j'ai choisi le système sciure, biométrisé. La sciure doit être ensemencée en bactéries. Donc ces bactéries digèrent les déjections des porcs, ce qui entraîne un effet de chaleur dans la sciure, ce qui permet aussi des économies de chauffage dans l'élevage. Il faut une épaisseur de sciure de 80 cm et il faut une superficie par porc de 1,5 m². Mais l'idée nous est venue suite à la mise en application de la PAC. Il fallait garder une plus-value sur nos exploitations à partir de nos productions de céréales, parce que c'était la seule production possible sur nos structures. Et après plusieurs visites dans des élevages, dans la Marne entre autres, on a vu des exploitants qui fonctionnaient donc en transformant leurs céréales en kilos de porc. Et on a approfondi cette démarche-là en relation avec le GPBM. Donc on est parti sur une structure sur caillebotis, parce que déjà on n'avait aucun bâtiment à valoriser, donc c'était tout à créer en construction neuve. L'avantage du caillebotis, c'est un gain de temps au niveau travail, une efficacité et un contrôle des ambiances relativement bonne. Le groupement des producteurs de bovins de la Meuse est une coopérative de production et de commercialisation d'animaux qui a été créée il y a 20 ans par des producteurs de bovins
à l'origine, mais qui aujourd'hui regroupe aussi bien des bovins, des porcs que des moutons. C'est une structure qui fait environ 200 millions de francs de chiffre d'affaires, commercialisant 25 000 bovins, 50 000 porcs et 10 000 agneaux. Lorsque je me suis installé en 81, j'avais 60 hectares de céréales. Donc deux possibilités, soit essayer d'augmenter la taille de l'exploitation, soit valoriser ce que je produisais. Donc j'ai préféré cette deuxième solution et valoriser les céréales produites par un élevage de porcs. Alors en matière d'alimentation, j'ai trois types d'aliments. Donc un aliment truie que j'achète à Ucalib, un aliment complet. Un aliment porcelet que j'achète également à Ucalib, mais par un échange de céréales, c'est-à-dire que je fournis mes céréales à la coopérative, qui me restitue un aliment complet. Et enfin, en engraissement, alors là, c'est un aliment, c'est de l'aliment à la ferme, en fait, avec 40% de blé, 30% d'un sous-produit industriel du blé, qui est l'amidine, et 30% d'un complémentaire Ucalib. Le grand public pense que l'aliment du bétail, c'est quelque chose de très complexe dans lequel on incorpore énormément de produits chimiques, énormément de sous-produits, énormément de produits mystérieux. Or, on le verra peut-être tout à l'heure, l'aliment du bétail et notamment l'aliment porcin est quelque chose de très 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 naturel. Le lisier est enfoui sur une profondeur de 10 ou 15 cm. Il est immédiatement recouvert par la terre. Il n'y a pas de phénomène d'embrun relativement courant quand on épand avec des buses d'épandage. Et je dirais qu'agronomiquement, c'est aussi un plus, parce que le fait de le mélanger immédiatement à la terre fait que les dégagements d'ammoniac qui peuvent éventuellement encore se produire après épandage aérien sont là repris dans la masse de la couche travaillée, pour être définitivement fixé et donc utile à la végétation. Lorraine Qualité Viande, c'est une association interprofessionnelle qui regroupe tous les membres de la filière viande, de l'éleveur jusqu'au consommateur, donc en passant par les gens qui transportent les animaux, les abattoirs, les gens qui découpent les carcasses et qui commercialisent la viande, donc les bouchers. Nous sommes ici la société Sampa Stenay qui fait de l'abattage, la découpe et de la transformation de viande de porc et qui s'inscrit dans la filière porc Lorraine. Des porcs qui sont abattus à Stenay sont des porcs d'origine régionale et en grande majorité de proximité. On réalise trois tueries sur l'ensemble de la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le lendemain, après refroidissement, les cochons seront pris dans l'atelier de découpe pour être découpés en découpe primaire et on va séparer les différentes pièces du porc. Les carcasses sont reprises dans l'atelier de découpe primaire et là, une équipe de personnes se charge de piécer l'animal, de séparer les jambons, poitrine, épaules, longes de la carcasse de l'animal. L'ensemble de ces pièces sont reprises sur des balancelles afin d'être dirigées très rapidement en chambre froide et limiter le plus possible les ruptures de chaîne du froid. En reçuage, on était à 4 degrés. En salle de stockage des pièces, on va descendre encore à 0 degré. L'ensemble des pièces de stockage sont à 0 degré d'ambiance. Après la découpe primaire, les pièces seront reprises pour les élaborer différemment en fonction de leur destination. Les jambons pourront être traités soit en jambon entier, soit on va leur retirer la couenne et le gras. On va pouvoir les désosser également et en fonction du besoin du client, on va travailler la pièce de viande et lui apporter le produit dont il a besoin. L'ensemble des produits de charcuterie que l'on fabrique à la Sampa sont donc des produits ultra frais, chipolata, merguez, crépinette, paupiette. En 1984, nous avons eu l'occasion d'ouvrir une ferme auberge en vue de notre future installation. Et de fil en aiguille, nous avons pu nous agrandir et augmenter notre capacité de production.
Nous sommes à 3 charcutiers, un représentant et un grossiste. Nous faisons divers produits, pâté de campagne, pâté au gris de tôle, boudin noir, enfin tout ce qui est charcuterie sur le porc. Et notre spécialité, c'est beaucoup plus les conserves. On transforme entre 10 et 15 porcs par semaine, suivant les demandes, quoi. La région Lorraine est une des régions, je crois même bien, la région la plus importante quant à la consommation de viande porcine en France par habitant. Il faut savoir qu'en région Lorraine, aujourd'hui, la consommation, c'est environ 100 000 tonnes de viande porcine par an. La production, malheureusement, ben, c'est aujourd'hui 12 000 tonnes. Il est vrai que... avec le peu que l'on fournit, il faut absolument qu'on puisse se démarquer avec un produit frais. Je pense réellement, de toute façon, que les jeunes ont un avenir dans cette production-là. Mais il est vrai qu'un jeune qui veut s'investir dans cette production, il faut absolument qu'il ait une formation et une très bonne formation.